dans la vision que la maison Ventref et Airpulse a développée de la joaillerie, elle s'est attachée depuis ses origines à saisir le mouvement de la danse et de la chorégraphie. L'exemple le plus connu et le plus frappant de cette inspiration, et ce sont évidemment ces broches ballerines qui apparaissent dans nos collections dans les années 40 et qui vont prendre une multiplicité de formes, de couleurs d'or, de pierres précieuses, d'attitudes. Et nous avons continué à créer des collections inspirées par le monde de la danse et du ballet et également à soutenir la création dans ce domaine-là. L'objectif de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, c'est de poursuivre l'écriture d'une belle histoire et de soutenir l'art chorégraphique. Et c'est la combinaison de ces valeurs que sont la création, la transmission et l'éducation qui font que l'on s'adresse aujourd'hui à un certain nombre de chorégraphes pour montrer des œuvres incontournables du répertoire et les mettre en regard de nouvelles écritures qui témoignent de l'évolution de cet art en mouvement. Quand on aime quelque chose, on a envie de le partager avec le plus grand nombre. Et donc, dès l'année 2020, on a soutenu une douzaine de compagnies dont les créations seront présentées dans toute l'Europe. Notre souhait, à côté du mécénat, c'est de créer un événement chorégraphique chaque année. L'idée, c'est de réunir un ensemble d'œuvres qui permettent de témoigner donc de l'histoire de la danse. Le premier événement se tiendra à Londres en mars 2022. Et là, nous avons fait un choix à peu près de 18 pièces chorégraphiques des années 70 à nos jours, avec des chorégraphes très importants, avec des artistes émergents dont très peu de gens aujourd'hui connaissent les noms. Ce festival sera l'occasion, me semble-t-il, de faire des découvertes. La maison revendique souvent cette complémentarité entre création contemporaine et respect du patrimoine. Et ce qu'on cherche à soutenir dans le monde de la danse et de la chorégraphie, c'est exactement ça. C'est être présent auprès du patrimoine et de la tradition chorégraphique et de voir comment cette création d'aujourd'hui peut également faire l'objet de notre attention et de notre accompagnement.